Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Je suis Madame Alousia Benhameda, votre professeure de sciences naturelles. J'aurai le plaisir de présenter avec vous aujourd'hui le cours de la reproduction chez l'homme, deuxième partie. Mais avant de commencer le cours, s'il vous plaît, faites attention à vous. Respectez les règles mises par l'État pour être en sécurité contre le coronavirus et que Dieu nous protège, Inch'Allah. Alors, donc, je vais commencer par la présentation de l'appareil reproducteur de la femme. L'appareil reproducteur de la femme comprend les gonades représentées par deux ovaires qui produisent les cellules reproductrices femelles, les ovules, et les hormones femelles, œstrogènes et progestérone. B, les voies génitales représentées par deux trompes qui conduisent les ovules vers l'utérus. L'utérus, c'est un donc, organe de nidation et de grossesse, organe de copulation, le vagin, et on trouve aussi les glandes annexes, les glandes de Bartholin. Alors, voilà donc le schéma que représente l'appareil génital de la femme. On a deux ovaires. Les deux ovaires représentent les deux gonades. Les voies génitales représentées par les trompes de Fallope et l'utérus. Et on a ici le vagin, l'organe de copulation. Après avoir présenté l'appareil reproducteur de la femme, on va voir maintenant comment se forment ou se produisent les ovules. L'ovogenèse. Chez la femme, la gamétogenèse s'appelle l'ovogenèse et se déroule dans les ovaires. L'ovogenèse, c'est-à-dire la production des ovules au niveau des ovaires. Une coupe d'ovaires présente des follicules. C'est quoi un follicule? Un follicule est un amas cellulaire sphérique contenant en son centre une cellule de la ligne germinale, l'ovocyte. Les follicules évoluent de façon cyclique à partir de la puberté, depuis un stade follicule primordial jusqu'à un stade follicule mûr ou follicule de Graaf qui éclate au moment de l'ovulation, libérant l'ovocyte 2 qu'il contient, c'est-à-dire au moment de l'ovulation, c'est-à-dire au moment de l'expulsion de l'ovocyte 2 à l'extérieur de l'ovaire vers les trompes de Fallope, cette follicule de Graaf s'éclate. Le restant de follicule devient un corps jaune. Voilà donc ce schéma représente une coupe d'ovaires. Voilà donc le follicule primordial évolue en follicule primaire, après follicule en croissance, etc., jusqu'à l'obtention de follicule de Graaf qui contient l'ovocyte 2 et qui va s'éclater au moment de l'ovulation. Et voilà, ici, le reste de follicule devient un corps jaune. Les étapes de l'ovogenèse. L'ovogenèse, c'est un processus qui est composé de trois phases. La première phase, c'est la phase de la multiplication. Cette phase, elle est exclusivement embryonnaire et il se forme un stock d'ovogonies. Donc, les ovogonies, ce sont des cellules de souche, dites mères, de la ligne germinale, à deux N chromosomes, se multiplient par mitose pour donner un stock d'ovogonies. D'accord? Donc, cet stade débute dès le troisième mois de la grossesse et s'arrête définitivement au moment du 16e mois de la grossesse. Donc, on obtient un stock important d'ovogonies à 2N chromosomes. Alors, après l'arrêt de la multiplication au cours donc, de 7e mois, de 6e mois de la grossesse, une deuxième phase va se commencer à partir du 7e mois de la grossesse. C'est la phase d'accroissement. Tout simplement, elle débute pendant la vie embryonnaire au cours de 7e mois et donne des ovocytes 1 à 2N chromosomes par augmentation de taille des ovogonies. C'est-à-dire que les ovogonies vont augmenter la taille par accumulation des réserves. On obtient des ovocytes 1 à 2N chromosomes. Au cours de cette même phase, l'ovocyte 1 à 2N chromosomes entame, c'est-à-dire commence sa division de maturation, c'est-à-dire commence la première division méiotique, qui est la division réductionnelle. Mais celle-ci va connaître un blocage juste avant la naissance en prophase 1, c'est-à-dire que l'ovocyte 1 avant la naissance, c'est-à-dire au cours du 7e mois, il va être bloqué en prophase 1 jusqu'à la puberté. Ça, c'est la phase de l'accroissement. La phase de maturation, donc à partir de la puberté, l'ovocyte 1 à 2N chromosome va reprendre sa division
réductionnelle, puis la division équationnelle pour donner un nouveau site 2 à N chromosome avec le premier gros globule polaire. Mais cet ovocyte 2 va être bloqué en métaphase 2. D'accord? Donc, s'il y a fécondation, c'est-à-dire il y a pénétration d'un spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte 2, donc l'ovocyte 2 va reprendre sa division, sa deuxième division méiotique, et on va obtenir un ovule avec le deuxième globule polaire. S'il n'y a pas fécondation, l'ovocyte 2 va se dégénérer après 24 heures de l'ovulation. Alors, donc, pour résumer, donc, l'ovogenèse est composée de trois étapes essentielles, la phase de multiplication, la phase d'accroissement et la phase de la maturation. Alors, donc, ce schéma peut résumer un peu les phases de l'ovogenèse. Phase de multiplication, les ovogonies à 2N chromosomes se multiplient par mitose pour donner un stock d'ovogonies. Cette étape se déroule au cours de la vie embryonnaire, du troisième mois jusqu'à le sixième mois. Après, la phase d'accroissement va commencer à partir du septième mois de la grossesse, au cours de laquelle l'ovogonie va augmenter de volume et se transforme en ovocyte 1 à 2N chromosomes. Qui va entamer sa première division méiotique, la division réductionnelle, il va être bloqué en prophase 1 jusqu'à la puberté. À partir de la puberté, l'ovocyte 1 va continuer, va reprendre sa division méiotique et va donner un ovocyte 2 à N chromosome plus premier globule polaire, mais cet ovocyte 2 va être bloqué en métaphase 2. S'il y a fécondation, l'ovocyte 2 va reprendre sa deuxième division méiotique, il va donner donc un ovule plus d'un deuxième globule polaire. Voilà donc la structure de l'ovule obtenu à la fin de l'ovogenèse. Donc, cette cellule est caractérisée par une grande taille par rapport à un spermatozoïde, 30 fois, yani à peu près la taille 30 fois supérieure à celle d'un spermatozoïde. Les ovules sont peu nombreux, environ 400 ovules sont émis au cours de la vie d'une femme, sont immobiles et fécondables, sont caractérisés par une forme ronde, entourée à l'extérieur par le corona radiata et à l'intérieur par la membrane pellucide, se caractérise aussi par des réserves nutritives au niveau de cette plasme très importante. Alors, donc, pour résumer ce chapitre, donc, je vous rappelle qu'on a fait dans la première partie l'appareil génital de l'homme. On a vu les composantes de l'appareil génital de l'homme, puis on a fait le spermatogenèse. Et dans la deuxième partie, on a fait l'appareil génital de la femme et on a fait l'ovogenèse. Donc, pour résumer un peu, on va faire une comparaison entre le spermatogenèse et l'ovogenèse. Tout d'abord, le spermatogenèse débute au cours de la puberté, alors que l'ovogenèse débute au cours de la vie embryonnaire. Le nombre de phases de spermatogenèse sont 4. Donc, la multiplication, l'accroissement, la maturation et la différenciation ou spermiogenèse. Alors que le nombre de phases de l'ovogenèse, c'est 3, la multiplication, l'accroissement et la maturation. Donc, le spermatogenèse, c'est un phénomène continu, alors que l'ovogenèse, c'est un phénomène discontinu de la vie fœtale jusqu'à la ménopause, alors que le spermatogenèse est un phénomène continu de la vie à partir de la puberté jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Le nombre de gamètes obtenus, 4 spermatozoïdes par spermatogenèse, alors qu'on obtient un seul ovule, un seul ovocyte 2 chaque mois, s'il y a fécondation, donc un seul ovule. On peut aussi comparer entre la cellule reproductrice mâle et la cellule reproductrice femelle. Le spermatozoïde caractérisé par une petite taille, alors que l'ovule est caractérisé par une grande taille. La durée de vie du spermatozoïde entre 3 et 5 jours, alors que la durée de vie de l'ovule entre 1 et 2 jours. Le spermatozoïde est une cellule mobile caractérisée par la présence d'un flagelle, alors que la cellule reproductrice femelle est une cellule immobile. C'est pourquoi on ne trouve pas, bien sûr, un flagelle. La forme du spermatozoïde est allongée alors que la forme de l'ovule est arrondie. Le spermatozoïde est sécrété par une grande quantité alors que l'ovule, on obtient un ovule chaque mois.